4h15, on quitte le mouillage. On quitte le mouillage et on fait route droit devant sur hier. On va hier pour des raisons techniques. Mais tout va bien. Tout va bien. Voilà. À part ça, cette nuit, comment ça s'est passé cette nuit? Pas bien. Voilà. Les joies et plaisirs de la plaisance. Cette nuit, on se couche là, l'abri, nickel, plein d'eau, plein. Et dans la nuit, 3h du matin, le bruit dans les haubans et le clapot, le clapot. C'est pratique d'avoir la cabine là, à l'arrière, parce que le clapot, on l'entend bien, il n'y a pas de surprise. Hein. Et ben, le vent s'est levé dans la nuit, bien sûr orienté plein de fer, hein, nord. Debout, habillé, chaudement, le tour du pont et regarde et pas regarde. Deux erreurs, fait deux bêtises, il faut les reconnaître. Deux bêtises, enfin une surtout, une c'est que je mouille toujours là où il n'y a pas beaucoup de foil, le moins de foil possible. Donc j'avais 2,90 m pour une 90 de tirant d'eau. Je balisais que ça se lève plus que ça et que ça commence à se transformer en houle. Quoi. Et en cas de houle, j'avais guère de marge sous la quille. Alors que si j'avais mouillé un peu plus dans 4-5 mètres d'eau, j'aurais été plus tranquille. Et de plus, je ne pouvais pas lâcher de la chaîne, je ne pouvais pas culer, parce que sinon je me retrouvais dans plus d'eau. Quoi. Et là, c'est sûr, je touchais. Donc j'ai serré les fesses, bon, j'y vais pas, je pars pas. Bon, je ne suis pas parti, je suis habillé chaudement et tout. Je suis resté à la gâchonne. À la gâchonne, je me suis couché avec le petit plaid dans le carré, tout habillé. Et je me suis filé, après ça c'est pareil. Et bon, ça l'a fait, je suis resté là toutes les 2 heures, 1h30, je me levais, tour d'horizon, je faisais le point, et le petit pissou, et jusqu'à 7h ce matin, nickel, voilà. Allez, là on est reparti, et on ne fera plus cette bêtise, on m'a laissé un peu d'eau sous la quille, parce que là, je ne sais pas pourquoi. Fois que je vois un Club Med, ça c'est le Club Med 2. Bon, je l'ai vu écrit sur la coque, hein, parce que. Ah, mais c'est, vous voyez, c'est marqué là-bas. À la proue. Voilà, à Porquerolles. C'est les commerçants du village qui doivent être côté là. Voilà. Les dires qui sont tous là en train de regarder passer Tabasco et qui disent qu'il est beau ce bateau. Ce petit voilier là. Voilà, on arrive à hier, au port de hier. Ça me fait un peu drôle parce que c'est d'ici que nous sommes partis. Tabasco et moi, elles m'ont gâté. Il y a une quinzaine de mois, 15-16 mois, décembre 2013. Voilà. C'est ici que nous avons fait connaissance, hier. Et c'est la première fois que nous y revenons. Elles m'ont gâté. Tu reviens là où tu étais né, hein. Où tu avais trempé ta quille pour la première fois dans la flotte. Eh oui. On va ressortir, on va partir par là-bas. Mais où? J'espérais que le petit souffle d'air soit un peu plus violent. Quoi. Tape sur l'île du Levant, droit devant. Un bon petit vent qui s'est levé. Enfin, vent, petit air. On n'a pas exagéré. Hein. Et ça filasse à ses nœuds. Thank you.
Bien. Une salade, la pâte. Bien sûr, Romain. J'avais les pâtes d'hier soir. Bon, ce qui se passe, c'est quand je fais des pâtes, j'en fais balèze. Balèze, moyenne 3-5 grammes. Voilà, 3-5 grammes, et comme ça fait 2 voire 3 repas. Le problème, c'est qu'elles ont un peu collé. Mais bon. Là, on a devant nous 2h30 de table. Je vais regarder combien il y a de ville. Je vois le vent. Et donc, le temps. Voilà, tout ça. C'est là on se creux ou quelque chose comme ça, et on peut mouiller aussi. Ça se passe là, regardez. Je viens de regarder. Voilà, là on arrive là, en fait, là la Calanque Longue. La Calanque Longue, on peut mouiller, c'est devant, et ça c'est la baie de Pourmont. Voilà. Et on n'a pas le droit de mouiller tout le long, là, c'est-à-dire face à nous. Mais là, la Calanque Longue et la baie de Pourmont, on peut. Voilà, donc tout là, on ne peut pas. Et à partir d'en face, là, ça doit être le fameux cap, la pointe de la galère, là. Et on voit qu'il y a des petites barques là. Là. Et on peut. Bon, nous, on va les virer devant le Levant, là-bas. Et puis, on va remonter ici. Devant le Levant, je pense que ça ne doit pas être aussi bien abrité. Bon, ben voilà l'île du Levant. Alors j'ai pas pu m'arrêter devant parce que ben, c'est un petit peu agité, quoi. Ben, ça souffle, c'est pas agité, mais ça souffle. Donc ben, on va aller se mettre à l'abri. Ici, dans la Calanque de Pourmont, là derrière. Voilà, on a tiré deux bords dans le petit canal, et puis bon, je vais aller à l'abri là-bas derrière, faire à l'abri. Je vais aller mouiller, lire mon bouquin. Voilà. Bon, voilà, là on vient de faire un petit tour là au fond de la Calanque Longue. Là c'est très mignon, mais bon, c'est un peu étroit, et fort de mon expérience de la nuit passée, je préfère autant ne pas passer la nuit. Si je passais que la journée, on pourrait, mais si le vent tourne comme la nuit passée, je serais plutôt très mal. Donc on va aller jouer leur prudence, hein, et on va aller dans Pourmont, là-dedans. Voilà, au mouillage à Pourmont, comme prévu. Que ce fort là-bas m'inspire, il m'a fait penser à celui d'hier, et bien qu'est-ce que je fais? Et bien comme hier, je complète la page. Voilà. Hier j'avais fait celui-là, et là je suis en train de faire celui-là. Voilà, celui-là. C'est celui-là. Avec Héliopolis du Levant derrière, et puis le Levant sauvage militaire. Et je vais faire vite, la vedette qui passe devant là. Vite, vite.
le vin, côté militaire, Héliopolis et le fort de Pourmant, qu'on voit là-bas. Voilà. Et dans la boîte. Derrière la colline, la colline de Porto, où nous nous trouvons. Il est 20h, mouille sec. Voilà. Une journée sur le Tabasco. On voit de plus en plus de catamarans. Allez, demain pour de nouvelles aventures.